le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. Je vais l'interpeller aujourd'hui parce que c'est grave, l'heure est grave, l'heure est tellement grave. Monsieur le président de la République de Guinée, monsieur le colonel Mamadi Doumbouya, s'il vous plaît, veillez, veillez, gardez les cadres, les cadres guinéens, parce que les cadres guinéens, ils sont capables de tout. Les cadres guinéens, ils sont capables de tout. Le problème de la Guinée, c'est pas monsieur Alpha Condé. C'est pas monsieur Alpha Condé. Pour monsieur Alpha Condé là, c'est autre chose. Mais les cadres malhonnêtes, ils sont plus purs que la COVID-19. Regardez hier, RPG a fait leur manifestation en France. RPG a fait leur manifestation en France, c'est les cadres même, les cadres qui ont financé, tels que Aboubakar Marissa, le directeur général de l'IMPO, qui a payé le transfert d'un maudit blogueur qui s'appelle Mamoudou Silla, qui s'est flanqué à Grèce ou bien je ne sais pas où. Payer le transport de Mamoudou Silla, payer son hôtel, payer son agent de poche, monsieur le président, on vous interpelle. On vous interpelle. C'est très urgent pour nous. C'est très urgent pour nous. Il ne faut pas oublier les cadres malhonnêtes. Il ne faut pas oublier les cadres malhonnêtes. C'est eux qui ont fait la promotion de troisième mandat en Guinée. C'est eux. C'est lui, Aboubakar Marissa, qui a dit Walou Arara Waliréon. Il a trompé sa communauté à cause d'Alpha Condé, à cause d'RPG, Alcanciel, soi-disant Walou Arara Waliréon. Comme vous voyez aujourd'hui, les gens en train de se moquer à sa propre communauté qui est sous-sous. C'est parce que c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé. De donner un sac de riz à les Sosoka, de donner 50 000 à les Sosoka, juste pour s'éterniser à sa place. Donc, monsieur le président, son excellence, Mamadi Doumbouya, il faut faire beaucoup attention avec les gens là. Il faut faire beaucoup attention avec les gens là. Parce que vous avez affaire avec les cadres malhonnêtes. Ils sont tous des malhonnêtes. Ils sont tous des malhonnêtes. Faites beaucoup attention avec eux. Monsieur Alpha Condé n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Mais le problème, c'est où? Au Maka de Renara. Au Maka de Renara. Donc, il ne faut pas les minimiser, monsieur le président. Il ne faut pas les minimiser. Il ne faut pas les minimiser. Le type a trompé toute la basse-côte en disant wa la rara wali ragnon, wa la rara wali ragnon, à nous sociaux madarou. Et je vois mon grand frère qui est Moria Douaoudé. Fori Moria, il ne faut pas intervenir pour eux parce qu'ils n'ont rien fait pour toi. Rien fait pour toi. Et bien, Misere Bébé. A Misere Bébé. À nous m'ribete tongo, à nous rani. Guinadou me voyagement un peu partout. Donc, ce qui est la vérité, nous on s'en fout. On ne s'engage que vous. On ne s'engage que vous. Monsieur le Président, vous avez affaire avec des serpents, avec des diables, avec des Judas Iscariotes. Donc, il y a des mouima. Et en cas de rébellion, si c'est possible même, et bien, on ne s'en fout. Parce que Singera nous les innocents, parce que on est en train de dire la vérité. Dès que tu dis la vérité seulement, ta place c'est où? C'est au sireté. Donc monsieur le président, si vous laissez les gens là au dehors, voilà, il va manigancer quelque chose en Guinée. Imayorun, mairie n'arrange, mairie rat transport fille, eh, mairie rat transport fille. Qu'elle fait Grèce, en France, ara hôtel sa fille, ara agent de poche fille. Est-ce qu'il n'est pas possible que l'intéressé vous fasse quelque chose de mal? C'est possible, monsieur le président.
C'est possible. Donc, il y aura ces kangoma. On ne mérite rien à gagner. Mou à la colonto et mou à nebu colontina. Et c'est ma ala et ma colon. Et c'est ma ala. Guimere ma colon. Donc, monsieur le président, on vous interpelle très urgent de veiller les gens là, les serpents, les gilas qui ont payé les gens, qui ont payé les gens hier en France pour manifester, libérer Alpha Condé, libérer Alpha Condé. Libérer Alpha Condé. Libérer Alpha Condé. Alpha Condé libéré, man la vacuée forêt. A libéré ma vacuée forêt. Et le président ivoirien qui parle là, les Guinéens, il ne faut pas l'écouter, le président là. Les Guinéens. Donc les Guinéens, vous n'avez pas confiance à l'armée guinéenne. Vous n'avez pas confiance à l'armée guinéenne. Je parle de l'armée guinéenne. Je ne parle pas une autre nation. Je parle de ma nationalité, ma nation, qui est la Guinée. Hein? Donc vous n'êtes pas confiant. Laissez M. Alassane Ouattara ramener les militaires en Guinée. Là. A Goundi convaincre les Guinéens sont au rebat. Monsieur Ouattara Goundi convaincre. Donc, débat mon amène. Débat n'a amené. Oui, monsieur le président, colonel Mamadou Doumbouya en Angolifé, Al-Kouara Koulou, ambassadeur est une manifestation organisée. Ambassadeur, France ambassadeur, Nelam Maraba. France ambassadeur, et puis il n'a pas sur la Guinée, destination Sirété. Destination Sirété. Il nous cadre dans la Guinée. Il n'a rien fait. Et il a fait, vous êtes perdu. Et il a fait, tel que Abouaka Marissa. Quelqu'un qui a trompé toute une nation, toute une communauté, voilà, rara, wali, rayon. Asiga wonye furia sa ne fam madaru asa furia ke madaru 50,000 100,000 bomba clat blood clat anaso ma gene ira 200,000 300,000 nation ma gene ira comme les jeunes aussi c'est des inconscients quelqu'un qui prend des milliards lui vient te donner 200 300,000 ira son wa rata be ra fala we talambe marisa talambe fuck them monta mona nation go te yama. Donc, Fori Moria, retire-toi. Il me rouge, il fait quoi. Il n'a rien à se faire. Il dossier à Bignabé. Voilà. Allons-y à la profondeur. Le directeur de l'impôt, qui est Aboubaka Marissa, Camara, qui a pu payer le billet d'avion à un maudit blogueur qui s'appelle Mahmoudou Camara, et Mahmoudou Silla au moins. Qui a pu payer l'hôtel, les frais, tout, pour un maudit blogueur de RPG Arc-en-Ciel. Monsieur le Président, Emma Rabadoni, justice l'amira Rawali Folo dès maintenant, gouvernement l'amira de Rodé maintenant, justice Rawali Folo, parce que on a des qui, justice bas sur la Guinée, mais le monde a comme abou yara. Fuck them! Foya bonde, c'est comme un coronel, inde ma garou malagine. Ibaba rogne, mbaba rogne, ibemba rogne, mbemba, inde ma da fuck ma garou malagine. Inde ma da fuck ma garou malagine. Maintenant, il y a la justice qui est en place. Les Guinéens, on a ma ouronne, il faut la dire, c'est liberté d'expression. Imreba wontoro. Narana wombe wona falebe. Sinon, et à mon nom, ma fade, mengenen est contre. Il s'amère, se refit, et reste à manifester France. Il s'a maudit boulogère, se refit, un petit bambin. Un petit Mahmoudou Silla bambin. Qui se flanque en Grèce, et soi-disant que, ouais, RPG. Vous êtes même pas intelligent, vous qui communiquez pour RPG là, vous êtes même pas intelligent. Au lieu de construire RPG, vous cherchez encore. De faire les communications de n'importe quoi, les communications de balles comme ça. Est-ce que rarement on a nawa? Ou rarement on dort? Ou rarement on dort? Ou quand on voit toro et rasio couleur, ou quand on voit bien musoui, nous voilà. Ou quand on voit abeille musoui, mais
Nana hier, Monsieur le Président, Son Excellence Colonel Mamadi Doumbouya, à Qatar, il n'a qu'à faire beaucoup attention avec les serpents là, les Jida escariotes qui sont en Guinée. Donc, Monsieur le Président, Son Excellence Mamadi Doumbouya, ouais, ben il est naruma. Après le Bangoura, ramène moi ma deux aka. Voilà, Bangoura ramène, ouais, ben parce que les Doumbouya sont des Bangoura. Dilei, Mengayana, Muntanani. Les Souma, les petits Keta, Il y a un petit Keta qui parle ici. Tu es un petit. Les petits Keta, les Bari, surtout les Bari. Les Bari, il faut faire beaucoup attention avec moi. Les Bari là, il faut faire beaucoup attention avec moi. Voilà, maintenant c'est nous. Muntanani a pouvoir. Les petits Bari là, ami Bari. Voilà, autant. Vous êtes des petits Momodou, les Bari, les Keta, les Souma, vous êtes des petits Momodou. Donc il faut faire beaucoup attention avec Son Excellence. Voilà, Mamadi Bangoura. Il est Bangoura parce que Doumbouya, ce sont des Bangoura. Big up à vous. Tu as vu, non? Un petit esclave est venu, Idriss Abari. Idriss Abari, il faut appeler la justice pour tes gars là. Il faut appeler la justice pour tes gars parce que tes voisins, les cadres malhonnêtes, ils sont en train de financer un peu partout. Donc il faut appeler la justice, le nouveau gouvernement de votre excellence. Voilà, donc big up la famille, restez sereine, restez concentrés, toujours combat continue. Le combat n'est pas fini et le combat est très loin d'être fini. Donc le combat, on ira jusqu'au bout. Voilà, donc la famille, c'est ça, restez sereine.